On est au premier étage, donc juste au-dessus du dégât des eaux. Dans les WC, on constate au niveau du raccordement WC et WC de sang, donc une fuite qu'on voit bien en tirant la chaise. Voilà, on voit bien l'eau s'écouler, ça forme une flaque. Ça s'infiltre par les joints du cadrage. De l'autre côté, on a un plancher flottant avec humidité et ça s'infiltre à l'étage en dessous. La charge de fuite.